Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to this event. On behalf of the director of the Centre of Studies, welcome to Barcelona. Welcome to the Centre of Legal Studies that belongs to the Justice, Rights and Memory Department of the Government of Catalonia. She wanted to be here with us today, but it was not possible for personal reasons. And this is why I thank you all, the ones present in the hall and the ones present online, for being here with us. Special thanks to Ms. Yolanda Aguilar. She is the Secretary of the Administration with the Justice of the Justice, Rights and Memory Department, and she's here on behalf of the Minister of Justice, Rights and Memory. Thank you very much for being with us today. And a special thanks as well to Mr. Dragos Chilea, who is the president of the ICB and a good friend of us for many, many years. The relationship among ICB and the Centre of Legal Studies started in 2008, and it was an initiative of Mr. Luis del Castillo, who contacted with the Centre and with the Ministry of Justice with the idea to establish a strong relationship in the collaboration matters in the field of the penal justice, or the criminal justice at the international level. Since that moment, we started a very fruitful collaboration that, in a sense, led us to introduce the penal criminal international law inside the matters that are important for the staff of the whole department, as well to other operators in the judicial field that are more interested in these matters since that collaboration was started. As a consequence of this, every year we organized seminars, congresses, encounters related with matters that are important in the field at the moment. And we have created, if we may say yes, in these terms, an agora for having good discussions. I remember very well, for instance, last year, just a week after the invasion of the Russian army of the territory of Ukraine, we had here a very, very important conference where the prosecutor office of the Penal Tribunal International of The Hague informed us about the initiatives that he started to take in order to recollect information about the things that were occurring on the field in Ukraine at that moment. And 2 weeks ago, we hear some of the positive results of this work done during this year in terms of the international order of detention of Mr. Putin and other responsibles. So I do think that this is a good example of how important are these meetings and how on time they used to arrive. As well, it's 4 years. The ICB has its General Assembly, and in this General Assembly, there's the elections related with the position of the President and the Board, and as far as I was informed, tomorrow it will take place here at the Centre of Legal Studies, this meeting as well. So good luck for tomorrow. I don't want to add nothing more, just to stress that the conferences today, I think, as I said before, arrived very on time. And the responsibility of the international criminal of the judicial persons is a very, very important matter today. We know that there are important changes in the field, that by now the penal responsibility is not a matter only of the individuals, it's as well a matter of the enterprises and the companies and the institutions that belong to these persons, which is an attempt to adapt the international rules to what is occurring in the market, what is occurring in society. And we are seeing these weeks and these last days good examples in terms of technologies, banks, and other companies that are created important damages, and who is responsible for these damages, who has to answer to these damages is a very important question to solve nowadays. So again, the meeting arrived very, very on time. We have very, very high-level speakers, Ms. Michelle Regan, Mr. Claudio Lamela, Daniela Depuy, Jaume Antich as well, will be with us, and for sure that they will give us very important inputs for understanding better what is going on in this very, very important matter. With nothing more to add, I'm very pleased to pass the floor to Ms. Yolanda Aguilar. Thank you very much. Thank you, Marc. Well, I prepared a few words in Catalan. I wish... I will speak slowly, but I wish you can understand me in Catalan. I think it's important you can hear this beautiful language. Bona tarda a tots i a totes. Deixeu-me en primer lloc fer una salutació especial al president del Col·legi d'Advocats Penal Internacional, el senyor Dragos Chilea, al subdirector general i a l'equip del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada com a anfitrions, als ponents que avui ens acompanyen i a tots els assistents. En nom del Govern de la Generalitat, em fa molta il·lusió inaugurar aquesta jornada de justícia penal internacional i drets humans, i que tractarà sobre la responsabilitat penal de les persones jurídiques. La pròpia organització d'aquesta jornada és una bona notícia, perquè posa de relleu la importància de la responsabilitat penal d'aquestes persones jurídiques i molt especialment de les empreses en l'àmbit internacional. Començo, doncs, amb un agraïment al Centre d'Estudis i al CAPI, al Col·legi d'Advocats Penal Internacional, per la iniciativa, per l'organització d'aquest esdeveniment, i un agraïment que vull estendre a tots i a totes les ponents del nivell que tindrem avui. Certament, en les darreres dècades hem assistit a un procés de globalització econòmica sense precedents en la història de la humanitat. Desenes de milers d'empreses ja no es mouen en el marc de l'estat-nació, sinó que tenen activitat en diferents països i sovint en diferents continents. Els marcs reguladors, en canvi, continuen majoritàriament al voltant de l'estat-nació. L'economia s'ha globalitzat més que la política. I parlo de política entesa com aquella activitat que defensa l'interès general, com a activitat reguladora en benefici de la ciutadania, que ha de regular també, per tant, a les persones jurídiques que es mouen en el marc internacional. I en aquest context, els procediments judicials moderns ja no es poden comprendre sense una consciència de globalitat i de cooperació internacional. La dimensió transnacional de l'economia i la responsabilitat jurídica de les societats obliga a superar la lògica de l'administració com a ens independent i autosuficient. Malgrat les limitacions competencials que tenim a Catalunya, les administracions públiques també han de ser capaces de teixir i col·laborar amb aliances internacionals que facin complir les normes a tothom, sense excepcions. L'activitat de les empreses transnacionals té un impacte molt significatiu en els reptes globals, com ara el canvi climàtic, les desigualtats socials o els drets laborals. Cal, doncs, establir mecanismes efectius per tal de responsabilitzar i sancionar aquestes entitats i, si escau, per la comissió de delictes que poden tenir un impacte molt negatiu en la vida de les persones. Per la part que ens toca, les administracions públiques com la Generalitat de Catalunya podem jugar un paper rellevant en tasques com ara la digitalització, la formació dels operadors jurídics o l'establiment de xarxes internacionals a tots els nivells, també a nivell tècnic. Podem i volem també fomentar una cultura jurídica de prevenció de la comissió de delictes i de protecció de drets en el marc de processos internacionals. També, és clar, col·laborem de forma proactiva amb els organismes i jurisdiccions internacionals de justícia penal i de defensa de drets humans. I no parlo només del Departament de Justícia, que també el Govern de la Generalitat va aprovar el mes passat l'Estratègia de Drets Humans per Catalunya, de Catalunya, i que inclou també una dimensió internacional, amb repercussions rellevants en l'àmbit del dret. Els drets humans, doncs, inspiren i guien la nostra acció política en tots els àmbits de govern, també en el de la justícia. I acabo la meva intervenció, doncs, agraint i reiterant aquests agraïments, desitjant-vos a tots i a totes una molt bona jornada. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Many, many thanks, Mr. Dragos Chilea. The floor is yours. Chère madame, cher monsieur, je veux parler en français un peu et je veux commencer en catalan, en buenas tardes. Je ne veux pas me lancer plus pour dire dans cette langue qui est une langue exceptionnelle pour moi. Et vous connaissez bien que depuis plus de 10 ans, après notre connaissance et amitié avec Luis del Castillo, je suis venu ici très fréquemment et avec une grande fidélité. J'ai des amis ici que je veux saluer, comme Eulalia Pascual y Lagunas, notre cher collègue, comme Jaume Antich-Solaire. Et il y a aussi des collègues qui ne sont pas ici, comme par exemple David Kerol, des avocats très, très fameux et très bons, Antonia Rocha González, qui est notre trésorière. Mais pour nous, c'est une grande, grande honneur et nous sommes fiers parce que le gouvernement de Catalunya, c'est toujours avec nous. Et aujourd'hui, je veux remercier aussi à Madame la Chancelière par le biais de Madame la Secrétaire Yolanda Aguilar, qu'aujourd'hui, pour notre réunion, le gouvernement de Catalogne a envoyé Madame Yolanda Toubi pour être ici avec nous. Aussi, je veux remercier à Madame la directrice, par Monsieur Marc, parce qu'ici, nous sommes comme à la maison. C'est notre maison ici dans le Centre d'Estudis Jurídics de Catalunya. Et je ne veux pas oublier de remercier à la International Criminal Court, la Cour pénale internationale qui est représentée par Madame Maricel, qui est procureure. Et le rôle de procureur de l'AE, c'est d'une importance exceptionnelle aujourd'hui après le mandat d'arrestation de Poutine et après toute cette pression médiatique qui est sur la Cour pénale internationale. Donc, je veux remercier aussi à Madame la procureure parce qu'elle est ici avec nous. Après tout ça, je veux vous dire seulement quelques mots parce qu'on va attendre les présentations très impressionnantes de notre collègue Claudio Lamela qui vient d'Argentine et de Jaume Antich-Solaire, notre secrétaire général. Donc, seulement pour donner la dimension internationale du barreau pénal international. Nous sommes représentés sur tous les continents, parce que l'Asie est représentée par M. Deng Trung Nguyen, qui vient du Vietnam. Dans quelques instants, il va être notre vice-président, il va venir ici, M. Abouba Ali Maïga, qui est avocate à Bamako, Mali, où on a eu le premier congrès de barreau pénal international en Afrique. Claudio Lamela, il représente l'Amérique latine, il vient d'Argentine. Mais aussi, on a parmi nous le professeur Ken Gallant, qui est de l'Université d'Arkansas. Il va être demain en online liaison. Il est membre du conseil et du comité exécutif du barreau pénal international. Il représente le continent de Nord-Amérique. Donc, nous sommes une vraie dimension internationale. Nous avons des collègues de l'Italie, de France, bien sûr d'Espagne et de Catalogne, parce que Catalogne est très fort représentée dans le barreau pénal international. Maintenant, grâce à cette situation que je suis président depuis 4 années, c'est la Roumanie qui est bien représentée avec mes collègues, mes 2 collègues qui sont ici, mais aussi des autres qui sont membres et qui ne sont pas venus. Donc, on peut dire que le barreau pénal international est, a une dimension universelle, et c'est ça aussi grâce à la Catalogne, à la Junta de Catalogne, au gouvernement de Catalogne, et donc à tous ceux qui, le support que nous avons ici, chez vous. Donc, on va continuer à travailler, et pour nous, la Giornata de Justicia Penal Internacional et les droits de l'homme sont très importants. Chaque année, on a prévu des conférences sur ce thème de l'avenir de la justice pénale internationale, toutes les challenges de la justice pénale internationale, tout ce qu'on doit faire est le plus important, et je m'arrête ici, parce que même Luis del Castillo disait comme ça que les avocats parlent beaucoup toujours, donc je dois m'arrêter, mais on doit faire quelque chose que les grands pouvoirs deviennent des États partis au statut de Rome, parce que ça, c'est une des grands problèmes de la justice pénale internationale, que les grands pouvoirs, ils ont participé pour rédiger le statut à Rome, mais ils ne veulent pas signer pour s'impliquer totalement. Donc, pour nous, les autres, parce que vous savez aussi qu'il n'y a pas justice sans des avocats, ça ne peut pas se faire, donc on doit tous travailler dans notre pays pour accueillir plusieurs pays dans le statut de Rome, mais aussi pour faire en sorte de convaincre les grands pouvoirs de signer et de participer pleinement, pas pour être seulement en dehors. Parce qu'aussi, vous savez que c'est très facile de parler quand tu es en dehors, et c'est plus difficile quand tu es dedans dans les problèmes, et tu signes et tu prends la responsabilité. Donc, je m'arrête ici parce qu'on a écouté des choses très intéressantes qui vont nous porter entre l'Argentine et l'Espagne. Et je finis, j'ai promis que je finisse, mais je veux dire aussi un mot sur la responsabilité pénale des personnes morales en Roumanie, à savoir que aussi dans notre code pénal, les personnes morales sont punies avec des amendes, mais aussi avec des peines complémentaires qui marchent jusqu'à dissolution de la personne morale, qui est punie pénalement par la loi pénale, et aussi on doit infliger des différentes peines aux personnes morales, par exemple, de publier la sentence, l'arrêt pénal, que tout le monde va connaître que telle ou telle personne morale a été condamnée par la justice pénale. Mais dans une autre occasion, on va se préparer avec la situation concrète de notre code pénal et code de procédure pénale de Roumanie sur ce sujet, comme pour aujourd'hui avec Claudio et Jaume. Je vous remercie beaucoup à tous et à toutes, et j'espère de nous revoir dans une autre conférence comme ça sur la même thématique. Merci beaucoup.